La place de la nation, ça c'est le président centrafricain Archange Touadéra, et qui arrive à la place de la nation pour assister. C'est la délégation centrafricaine conduite par le président Archange Touadéra qui va assister ce matin aux obsèques du maréchal Richard Idriss Déby Itno, la Centrafrique, un pays frère dont le président de la République a contribué pour la stabilité dans ces pays. Donc, le président centrafricain est venu saluer la mémoire la place de la nation illustre. Prête pour ses adieux au maréchal Richard Idriss Déby Itno. Grand Gacha Mirima, Adouma Bakar Idriss, si vous nous suivez, quelle ambiance prévaut là-bas au niveau de la place de la nation? Oui, M. Tanabdoussoul, l'avons dit, les délégations continuent par faire le déplacement de la place de la nation. Toutes les dispositions sont presque prises pour le début de la cérémonie. Donc nous apercevons à la place de la nation, les choses se précisent. Et nous avons une équipe qui se trouve là-bas au niveau de la place de la nation pour nous faire vivre en direct comme l'on fait. C'est de l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. Je rappelle à nos téléspectateurs et téléspectatrices que nous vous transmettons en direct la cérémonie des obsèques du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, à la place de la nation. Les délégations ont déjà pris place. Il ne reste que quelques délégations qui vont faire le déplacement de la place de la nation et la cérémonie des obsèques du maréchal du Tchad va démarrer à la place de la nation. Mohamed Hassan Abdrasoul, le 20 avril dernier, à l'annonce du décès du maréchal du Tchad, le Conseil militaire de transition a pris un certain nombre de mesures pour rassurer la population et ces mesures sont salutaires et c'est ce qui démontre que les Tchadiens sont en tout cas mûrs pour s'entendre à des moments difficiles comme la disparition du maréchal du Tchad et que l'hommage doit être rendu aujourd'hui par l'ensemble du peuple tchadien sans exception. Et nous apercevons le président togolais Faure Gnassingbé s'entretient avec son collègue. C'est dire que la cérémonie va commencer d'un moment à l'autre. نعم زميل سليمان جابو طبعا عندما رحل هذا القائد فجأة في العشرين من أبريل تم تكوين مجلس عسكري انتقالي هذا المجلس حفاظا للاستقرار والوحدة الوطنية اتخذ إجراءات مرة ثانية عبد الرسول نعم. on va essayer d'entrer en contact avec Grand Gacham Irima et Adam Aboubakar pour Adam Aboubakar. Oui, la place de la nation, Adam Aboubakar Idriss. Oui, oui, je vous écoute. Oui, Adam Aboubakar. Oui, Adam Aboubakar, est-ce que vous pouvez nous dire quelle ambiance prévaut là-bas à la place de la nation? Nam, shukran, Zemilen, Suleiman Djabo, Mohamed Hassan Abdrasoul, nahnu huna fi sahati l'umma. المئات المئات والآلاف قد احتشدوا هنا في ساحة الأمة لمتابعة مراسم تعبين الراحل وفقيد الأمة التشادية والأفريقية
الرئيس إدريس ديبي إتنو، وعلى ما أعتقد كل الترتيبات جاهزة لاستقبال جثمان الراحل، والآن كل الأنظار تتوجه إلى مراقبة ومتابعة وصول الرئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي إتنو. ولا يفوتني في هذه اللحظة وفي هذه الثانية الأليمة أن أخبركم وأخبر المشاهدين الكرام بأن في ساحة الأمة تجري الاستعدادات على قدم وساق، والحضور كلهم قد تمكنوا من الجلوس والانتظار فقط المراحل الأخيرة من بداية المناسبة. وهنا في ساحة الأمة حضر الرؤساء والوجهاء وكبار الشخصيات والضيوف والآلاف من المدعوين هنا في ساحة، كلهم في حالة انتظار وفي حالة تأهب لمتابعة الموكب الجنائزي الكبير. وأترككم مع زميل غرانغا تشام ليوافيكم بالمزيد باللغة الفرنسية. Oui, Adam Aboubakar, mesdames, messieurs, les téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue à la place de la Nation, l'emblématique place historique bâtie par le maréchal pour marquer le nouveau départ du Tchad. Si hier, les fils et les filles se sont retrouvés pour commémorer l'indépendance du Tchad, des cérémonies de passation de commandement ou encore la Journée internationale de la femme ou fête de travail, aujourd'hui, c'est un jour particulier. Il s'agit de la cérémonie de deuil national décrétée par le comité de transition pour pleurer l'illustre disparu, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Il faut dire qu'ils sont plusieurs chefs d'État, Europe, Afrique, les présidents des grandes institutions de la République, voire internationales, à faire le déplacement pour rendre un dernier hommage au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui a consacré une génération de sa vie pour le bien-être de son pays et au-delà de nos frontières. شكراً زميل غرانغا تشام. نعم المشاهدون الكرام، قد وصل في هذه اللحظة القائد العام للجيش الوطني الشادي، ولا يبقى إلا دقائق معدودة لانتظار شخصية كبيرة رئيس المجلس الانتقالي العسكري لبداية المناسبة الأليمة، مناسبة تأبين مشير تشاد إدريس ديبي إتنو في هذا اليوم، أي الجمعة 23 من أبريل. لقد رحل عنا قائد الأمة، حيث تجمع هنا في ساحة الأمة الآلاف من الوافدين، كبار الشخصيات والضيوف والرؤساء وحكومات الدول الصديقة وكل من يهمه هذا الأمر لوداع هذا الرجل الذي سطر اسمه بحروف من ذهب في صفحات التاريخ. وأن التاريخ المعاصر لهذا الرجل قد يكون وحيد عصره الذي تقلد عدة أوسمة شرفية وفخرية، وهو في المقام الأول جنديا مطاعا وضابطا فزا وفارسا مغوارا وقائدا جسورا ورئيسا مهنكا ومشيرا شاديا سطع نجمه أنان السماء فأضاء شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وزاع صيته كل أرجاء المعمورة. هذا الرجل العظيم هو مشير تشاد إدريس ديبي إتنو. ودعني أذكركم أن التاريخ كتب عن العظماء والنبلاء والشرفاء، ولكن إدريس ديبي إتنو صنع تاريخا لنفسه.
قبل أن يسطر اسمه عرفه القاصي والداني من جرعته وشجاعته وإقدامه ومواقفه البطولية. لذا اليوم في هذا اليوم الأليم وفي أجواء هزينة أرى سيدة البلاد الأولى قد غطت جسمها بثوب أسود، وكل الضيوف الذين حضروا لتشييع جسمان الراحل فقيد الأمة التشادية إدريس ديبي تنو، والذي رحل عنا خلال هذا الأسبوع، سائلين المولى له أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فصيح جناته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. المشاهدون الكرام، ننقل الميكروفون إلى زميل غرانغا تشام يريما للمزيد. Oui, Adam Aboubakar, chers téléspectateurs, comme vous le voyez sur votre petit écran, ici à la place de la nation, c'est la consternation. Des invités de grande marque, des présidents de la République, des présidents des grandes institutions, des pays voisins, de l'Europe, des leaders religieux, administratifs, militaires et civils, tous ont été représentés, tous ont été conviés ici à la place de la nation pour commémorer le deuil national qui a été décrété par le comité militaire de transition, afin de pleurer l'illustre disparu qui est le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Il faut dire que l'homme, le maréchal du Tchad, n'est plus à présenter aux yeux des téléspectateurs, non seulement les téléspectateurs, aux yeux de l'Afrique, du continent africain, de l'Europe, de l'Occident, ainsi de tous les peuples. Il n'est plus à présenter le maréchal du Tchad. Toutefois, il y a lieu de rappeler le parcours de cet officier hors pair qui a fini par être un chef d'État panafricaniste au regard de ses actions emblématiques posées en faveur de la défense et de la sécurité du continent africain et dans le monde. Idriss Déby Itno, il faut le dire, à partir de 2006, il est né le 18 juin 1959, 52 autant pour moi, à Bertoba, et décédé le 20 avril 2021 ici à N'Djamena. C'est un officier, c'est un homme d'État tchadien. Il faut remonter dans l'histoire pour comprendre comment cet homme, qui est parti de rien, est arrivé aujourd'hui à positionner le Tchad sur l'échiquier national et international. Voilà, on nous annonce maintenant l'arrivée du président du Conseil militaire de transition. Alors, il faut dire qu'avec l'appui de la France, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, avait chassé Hissène Habré de la tête du pays en 1990, en prenant le titre du président du Conseil d'État. L'année suivante, il a été désigné comme président de la République du Tchad. Il a remporté ensuite les élections présidentielles de 1996, de 2001, de 2006, 2011, 2016 et il y a quelques jours, celle de 2021. Il est également le président de l'Union en exercice de 2016 à 2017. Aujourd'hui, la nation tout entière, le peuple africain, pays et amis, les partenaires internationaux, tous sont venus aujourd'hui pleurer l'illustre disparu, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Shukran Azamil Garanga Cham Yerima. Kama zakartu qabla qalil, fa inna sahat al-umma qad iqtazzat bi al-hudur, wa huwa mashhadun alimun fi'lan, wa takhallala hadhihi al-munasabah حضور رئيس المجلس العسكري الانتقالي. لقد وصل قبل قليل وبدأ يحيي الرؤساء وحكومات الدول الذين حضروا للمشاركة في مناسبة
تأبين الرجل العظيم. لذا اجتمع هنا في ساحة الأمة المئات من الصحفيين ووسائل الإعلام العامة والخاصة والأجنبية لتغطية المناسبة الكبيرة والأليمة والهزينة، مناسبة تأبين وتشييع جثمان فقيد الأمة الراحل مشير تشاد إدريس ديبي إتنو الذي رحل عن عالمنا قبل أيام إثر جرح ألم به في مواجهة مع المارقين والخارجين عن القانون، حيث فارق الرئيس مشير إدريس ديبي إتنو الحياة والذي قدم روحه ودمه فداء للوطن وكل الذين سقطوا معه وقدموا دماءهم الزكية لشرف نبيل وقضية مقدسة. هذا هو وهذا قليل من هذا الرجل فقيد الأمة التشادية والأفريقية الذي ولد عام 1959 ومات عن عمر يناهز 79 عاما، مات في تاريخ 21 من أبريل الجاري من هذا العام أي عام 2021، والكل هنا يعبر عن حزنه العميق وأسفه لفقد رجل عظيم عرفه التاريخ وعرفه القاسي والداني والعدو قبل الصديق، ونكست الأعلام والمشهد حزين فعلا المشاهدون الكرام، وليس الشاهد كمن السامع، ولكن بفضل الله ثم بفضل مجهود مقدر من الطاقم الإعلاميين والفنيين والمهندسين استطعنا أن ننقل هذا المشهد، وكنتم تتابعون عن كثب كل الخطوات التي تحدث هنا في ساحة العمة، ولا شك أنكم ستتابعون ما حصل هنا من خلال وسائل الإعلام. وكما ذكرت قبل قليل وصول رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى ساحة الأمة لكي يبدأ مراسم التأبين وكل ما يتعلق بهذا الموقف الحزين. الزميل غرنغتشم. Oui, Adam Aboubakar, il faut dire que le président de la transition est arrivé pour rendre le dernier hommage au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Et Mamad Idriss Déby Itno a passé en revue d'abord la troupe, ensuite il a salué les différentes personnalités qui ont fait le déplacement de la place de la nation. Il faut dire que, chers amis téléspectateurs, en 2020, le maréchal du Tchad a été nommé à la suite d'une offensive victorieuse contre le secte Boko Haram. Et moins d'un an plus tard, juste après l'annonce de sa cinquième réélection, il a été blessé au front face à une rébellion du front de l'alternance et la Concorde venue de la Libye. Il a succombé à ses blessures à 68 ans et après plus de 30 années passées au pouvoir. Aujourd'hui, Mamad Idriss Déby Itno, qui est son fils, il prend la tête du comité militaire de transition pour pouvoir diriger la transition durant 18 mois avant de passer le pouvoir aux civils. Il faut noter qu'à la place de la nation ici, différentes personnalités ont été conviées pour pleurer l'Ulysse disparu, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui a joué un rôle capital sur le plan sécuritaire, non seulement au Tchad, dans la sous-région et en Afrique.
Aujourd'hui, l'Afrique pleure l'un de ses fils valeureux, vigoureux et téméraires et travaillant et ayant toutes les qualités d'homme de chef d'État, toujours prêt à écouter et prêt à mobiliser l'armée tchadienne pour intervenir pour la sécurité en Afrique. Aujourd'hui, c'est un hommage mérité que la population tchadienne aussi est venue rendre à la place de la nation. Il faut noter que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, après avoir passé son baccalauréat, il est entré à l'école d'officier de N'Djamena. Puis en 1976, il a obtenu une licence de pilote professionnel en France, à l'Institut aéronautique. Idriss Déby Itno soutient le président Félix Maloum jusqu'à sa chute en 1979 et ce dernier grade son soutien jusqu'à sa mort. Aux côtés d'Hissène Habré, où il a beaucoup été formé, de retour au Tchad en 1979, Idriss Déby Itno collabore avec Hissène Habré, autant pour moi, et il est entré en rébellion en 1980 contre Gugunu Wede après l'éclatement du gouvernement d'Union nationale de transition, le GUN, qui a été formé 5 mois plus tôt. Alors, Hissène Habré a nommé Déby comme commandant en chef des forces armées du Nord, en abrégé FAN. Il faut dire que le 7 juin 1982, Habré rentre dans la capitale N'Djamena avec Idriss Déby Itno à ses côtés, poussant ainsi le président Gugunu Wede à s'exiler en Algérie. Il a été promu quelque temps après comme colonel. Déby, devenu chef des armées adjointes en 1983, et il se rend en France en 1985, où il suit des cours à l'école de guerre internationale. Et de retour au Tchad en 1986, Idriss Déby a été nommé comme conseiller d'Habré pour la défense et la sécurité. S'agissant de la présidence de la République dont il a assuré par intérim lors de son investiture, il a promis la tenue d'une conférence nationale souveraine ayant pour tâche principale l'élaboration d'une nouvelle constitution. C'est ainsi que Idriss Déby a fait adopter dès février 1991 une charte nationale qui pose les principes directeurs de l'État tchadien et les bases d'une réforme institutionnelle. Cette charte-là a permis de servir de loi fondamentale jusqu'à la promulgation de la Constitution le 14 avril 1996. Il faut dire que parallèlement, il a été promis général de corps d'armée en 1995, autant pour moi. Donc, dès le début des années 90, il se rapproche de Hissène Hassan Abakar, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, de 1991 à 2018. Le président, je dirais le maréchal du Tchad, Lulus disparu, le peuple est venu aujourd'hui le pleurer à la place de la nation. Il a joué un rôle capital sur le plan national, sur le plan régional et en Afrique. Le maréchal du Tchad a assuré plusieurs mandats, notamment le premier mandat de 1996 à 2001. Il a été élu président de la République pour un mandat en 1996 lors du premier scrutin pluraliste au suffrage universel depuis l'indépendance du Tchad en 1960 et ouvre ainsi alors son gouvernement à une partie de l'opposition. Voilà, nous sommes à la place de la nation où le président de la transition, Mamad Idriss Déby Itno, est venu au nom du comité militaire de transition rendre les derniers hommages au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Nous sommes ici avec mon confrère Adam Aboubakar.
qu'est-ce qu'on peut en dire en plus sur les différents mandats que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a accompli avant son dernier soupir? شكراً زميل غرانغا يريم شام. نحن هنا في ساحة الأمة لمتابعة مراسم تعبين الراحل مرشد تشاد إدريس ديبي إتنو فقيد الأمة التشادية والأفريقية، ولا يسعني إلا أن أذكركم بالتاريخ الحافل بالبطولات والانتصارات القائد الذي دخل العاصمة إنجمينة عام 90. فربما يتساءل البعض من هذا الرجل الذي مات اليوم واحتشد الكثير من المواطنين والأجانب في ساحة الأمة تحديدا لمرافقة جسمانه إلى مسواه الأخير. ولد إدريس ديبي إتنو في 18 من يونيو عام 1952 بقرية تقع شمال البلاد، وهي قرية بردبة الواقعة من الناحية الجنوبية الشرقية لمدينة فدا. وفدا كما تعلمون تقع شمال شرق العاصمة إنجمينة، وتبعد عن العاصمة ب 1000 ونيف تقريبا من الكيلومترات، وحيث تلقى تعليمه الأساسي في مدينة فدا، ثم التحق بالمدارس الأخرى في مدن الكبرى للبلاد كأبشة وبنغور والعاصمة التشادية إنجمينة. هذا الرجل رحل عنا في هذا الأسبوع تحديدا، ولا يسعني أن أذكر كل ما يتعلق بهذا الرجل شخصيا، ولكن نحن هنا بالضرورة نقول لكم ماذا يجري في ساحة الأمة، والجميع يشهد ويسمع عبر وسائل الإعلام أن مراسم التعبين الذي هدده المجلس العسكري الانتقالي لوداع هذا الرجل الكبير الذي خدم البلاد وأفريقيا عموما لينقل إلى مسواه الأخير، هذه المناسبة هي عبارة عن مناسبة تشريفية فخرية تقديرية لرجل رسم تاريخه بأحرف من نور. واليوم فالكل والجميع واقف على قدميه هنا في ساحة الأمة لانتظار هذا الجسمان في نعش، والكل من ضيوف ومواطنين تكاد لا تصدق هذا الموقف الحزين الذي ألم بالأمة الشادية بترك فراغ كبير، الرجل السياسي الكبير الذي خطى خطوات إيجابية جد حامة في طريق تقدم البلاد وتطوره، والذي بذل مجهودا لا يقدر بالثمن. نحن اليوم نعيش لحظاته الأخيرة قبل أن يوارى جسمانه الثرى. بعدين دوما قاعد دربو بندو كالينارم كوف ما في يبدأ المناسبة الأليمة، والمناسبة كنتم تتابعونها انتظار
جسمان الراحل من هنا لآخر نحن هنا نترقب وصول بعض رؤساء وحكومات الدول الذين أبد نفسهم إلا أن يشاركوا في هذه المناسبة الأليمة ويقوموا بمواساة نجل الرئيس مشير تشاد إدريس بيتنو المتمثل في شخصية محمد ديبي إتنو والذي نتمنى ونرجو militants, militantes. Tout à l'heure, il y aura 21 coups de canon. Et je demande à tout le monde de garder sa position, de ne pas se paniquer. Akhwati, akhwati, akhwati. Hassa, yikun wahe, shirin, kouana karo. Donc, shirin wahe, kou. Donc, talab le, aïzol khaliye, gout bakana wahe, maï baji, ou shayman. Shukra. أتى فلذلك لا نستطيع متابعة كل الأشياء التي تحدث هنا أو ميدانيا ولكننا نحاول بقدر الإمكان ننقل بعض حيثيات هذه المناسبة الأليمة إن شاء الله قدر المستطاع فضل زميل كرنجتشم Oui, Adam Aboubakar, il y a une communication qui a été déjà donnée ici à la place de la Nation. Le message est le suivant: il y aura 21 coups de canon. Alors le maître de cérémonie demande à ce que la population ne panique pas si jamais vous écoutez des tirs. C'est juste en mémoire et pour la commémoration, en hommage au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, l'homme qu'on ne peut plus présenter en Afrique, l'homme qu'on ne peut plus encore expliquer ce qu'il a fait en Afrique pour sa détermination à lutter pour la sécurité du continent africain. Il faut noter que le Tchad est le premier pays aux côtés de la France à aller supporter les frères maliens lorsque le Nord Mali a été envahi par les djihadistes. Le Tchad aussi a intervenu en République centrafricaine et dans bien des opérations de lutte contre les terroristes. Car le maréchal du Tchad avait une ambition, celui de pacifier l'Afrique, celui de permettre aux fils, des fils et filles de l'Afrique de vivre en paix, dans la stabilité et de développer leur continent. Les actions du maréchal dans la sous-région sont visibles, ce sont des actions de sécurité, ce sont des actions de développement, ce sont des actions qui vont dans le sens de la bonne marche des États africains. Nul n'ignore aujourd'hui comment les Africains vont périr dans le désert à la quête du bien vivre, à la quête de l'Eldorado en Europe. Pour le souci du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui n'est plus de ce monde, son message est que l'Afrique doit être développée par les Africains et la jeunesse africaine ne doit pas être complexée. Elle doit être plutôt décomplexée de ses capacités à pouvoir travailler et œuvrer pour le bien-être de sa population. Aujourd'hui, les actions méritées du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, sont reconnues sur le plan africain, sur le plan européen et international. Ce qui justifie d'ailleurs l'arrivée de plusieurs chefs d'État, en l'occurrence le président de la République française, Emmanuel Macron, le président de la République de la Guinée, le président de la République de la Centrafrique, Touadéra, et bien d'autres présidents de la République, bien d'autres premiers ministres des pays amis qui ont fait le déplacement de la place de la Nation pour non seulement compartir avec la famille de l'illustre disparu, mais aussi le peuple tchadien, la population tchadienne qui a su donner et verser de son sang sur les différents champs d'opérations, de combat pour la stabilité et la protection de l'Afrique. Le maréchal du Tchad, il faut le dire, a convenablement joué sa partition, celui de stabiliser le Tchad durant les 30 années que nous avons vécues, et aussi les actions du Tchad dans le Nord Mali, en République centrafricaine, au Niger, une partie du nord du Cameroun, lorsque cette bande sahélienne a été incrustée par les djihadistes.
On a vu, on a constaté que les soldats tchadiens étaient en avant-garde de la lutte contre l'insécurité, contre les djihadistes. Et les actions du maréchal du Tchad ont été reconnues. Dernièrement, nous pouvons dire la tenue du G5 Sahel en pleine période de pandémie Covid-19. Le Tchad a reçu plusieurs chefs d'État, non seulement de l'Afrique centrale, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, mais aussi l'Union monétaire et économique de l'Afrique de l'Ouest. De l'UEMOA, on a vu le président sénégalais, on a vu le président ghanéen qui sont venus au Tchad ici apporter leur expertise, apporter leur soutien, apporter leur contribution pour la stabilité de la zone de la bande sahélienne. Il faut dire que le terrorisme est devenu aujourd'hui planétaire. Aucun pays ne peut prévaloir lutter seul contre le terrorisme. Il faut la synergie d'action, il faut la jonction des forces en termes de logistique, en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières pour pouvoir lutter contre le terrorisme dans la bande sahélienne. C'est une question, c'est une problématique très très importante et c'est en cela que les chefs d'État qui ont fait le déplacement de N'Djamena ont reconnu la bravoure, ont reconnu la capacité, ont reconnu l'expertise du Tchad à pouvoir apporter dans la résolution des conflits en Afrique. Cette reconnaissance se matérialise non seulement par ce soutien moral, par le déplacement, mais aussi par le fait que le Mali a décrété 3 jours de deuil afin que le peuple malien puisse pleurer l'homme qui a versé le sang de ses enfants pour secourir autant pour moi et apporter la paix aujourd'hui au Mali. Le peuple malien est reconnaissant de l'engagement du maréchal du Tchad pour la stabilité de sa nation. Aujourd'hui, si le Mali est en paix, c'est parce que les fils et les filles du Tchad, dirigés par le maréchal du Tchad, ont apporté leur soutien, tant militaire, logistique et leur vie humaine, afin que le Mali aujourd'hui soit pacifié. Cette reconnaissance aussi du maréchal du Tchad va au-delà de l'intervention du Tchad dans des opérations militaires dans le Grand Lac. Le Tchad aussi a apporté son expertise, tant militaire, logistique et des conseils pratiques afin qu'aujourd'hui les Grands Lacs puissent être pacifiés. Certes, les enjeux sont très énormes, la lutte n'est pas finie, mais il y a de l'espoir à croire que ce que le maréchal du Tchad a laissé aujourd'hui à la génération puisse être capitalisé et mettre au service du continent africain. Les Africains ne doivent pas regarder comme étant un échec le fait que le maréchal du Tchad est tombé sur le front, mais il faudrait, comme dit quelqu'un, il faudrait que la graine tombe afin que cette graine pousse et apporte de l'espoir à l'humanité. Aujourd'hui, la mort, l'illustre disparu du maréchal Idriss Déby Itno est une victoire pour le Tchad. C'est une réussite pour le Tchad. Nous ne nous réjouissons pas de la mort d'une personne, mais nous saluons sa compétence, nous saluons son expertise, nous saluons son engagement et son bravoure. C'est une leçon pour l'universel, afin que les Africains puissent travailler pour leur continent et faire sortir l'Afrique du sous-développement. Nous ne devons pas simplement attendre que l'aide vienne de l'Europe, parce que les Européens ont aussi leurs difficultés, ont aussi leurs réalités, mais nous devons partir des difficultés que nous avons, changer ces difficultés-là en opportunités et permettre aux fils et aux filles qui vivent en Afrique de vivre de manière digne et aisément. C'est en cela qu'incarne le personnage, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, le panafricaniste. Il faut que l'Afrique soit dirigée par les Africains et il faut que les jeunes Africains puissent prendre en charge leur destinée. Il ne faut pas attendre tout de l'Europe. Bien sûr, le Tchad ou bien d'autres pays africains, nous avons des partenaires, mais le premier travail, c'est d'abord nous-mêmes. Il ne faut pas que les Africains pensent que les solutions viendront d'ailleurs et les trouver sur leur coucher sur les lits. Non, nous devons travailler, nous devons unir notre force, unir notre énergie, unir les ressources financières, matérielles et logistiques dont nous disposons afin de travailler pour bâtir une nation prospère, une nation qui puisse, où il y a du beau à vivre, une nation où l'Afrique sera demain l'Eldorado pour chacun de nous. À la place de la nation ici, toute la cérémonie a déjà commencé il y a quelques heures avec l'arrivée des chefs d'État, avec l'arrivée des présidents des grandes institutions de la République du Tchad,
avec l'arrivée aussi des présidents des grandes institutions de la sous-région qui sont venus, qui ont effectué le déplacement de N'Djamena, le déplacement de la place de la Nation, pour commémorer, pour saluer, pour dire un dernier au revoir à l'homme qui a sacrifié sa vie pour toute l'Afrique, non seulement le Tchad, mais pour toute l'Afrique. Le maréchal du Tchad, ses actions sont très nombreuses. C'est tout un document, c'est tout un livre qu'on peut écrire. Mais ce que l'on peut retenir, c'est que l'homme a donné sa vie pour sa nation. Comme il a dit dans plusieurs interviews, lors de ses débats avec des panafricanistes, lors des débats avec des médias, il a dit « Je ne vais pas mourir dans mon fauteuil, mais je vais plutôt mourir sur le front. » Son vœu a été exaucé. Certes, nous le pleurons, mais c'est une victoire pour l'Afrique, c'est une victoire pour le continent africain, parce qu'un homme a eu un rêve et son rêve s'est réalisé. Aujourd'hui, il laisse une nation prospère, il laisse une nation qui, où il y a la stabilité, il laisse une nation qui va marcher sur ses pas et aller de l'avantage. Adam Aboubakar. نعم زميل غرانغاتشام يريما لقد وصفت هذا المشهد وتاريخ هذا الرجل الحافل بالكثير من النشاطات والإنجازات وكسب الكثير من المجالات التنمائية لا يسعنا ذكر كل ما قام به هذا الرجل الذي أفل نجمه وغاب شمسه قبل أيام الرجل الذي عجزنا النساء أن يلدن مثله في هذا العصر وربما في الأجيال القادمة الذي أريد قوله نحن هنا في ساحة الأمة في أجواء هزينة والكل مترقب حضور الشخصيات وكبار الضيوف والرؤساء والآن أرى أمامي سيارة سوداء ربما تقل رئيسا لجمهورية الكونغو الديمقراطية هنا وقف القائد العام لاستقبال بعض رؤساء الدول والحكومات الذين أبت نفسهم إلا أن يحضروا هذه المناسبة الأليمة وإلقاء النظرة الأخيرة لقائد الأمة الشادية الذي رحل عنا قبل أيام ولا شك أن المناسبة بدأت تخطو خطوتين إلى الأمام لأننا بحسب علمنا للبرنامج المخصص لمراسم التابين أن بعد وصول كل هذه القادة للدول الصديقة والرؤساء وحكومات الذين يصلون تباعا هنا في العاصمة N'Djamena ومعظمهم قد وصل هنا في ساحة الأمة الكثير منهم كرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس النيجيري والرئيس لجمهورية أفريقيا الوسطى ورئيس جمهورية مالي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والكثير والكثير وهناك ما زالت الوفود يتقدمون الواحد تلو الآخر ويصلون تباعا من حين لآخر لذا لا نستطيع حصر كل الرؤساء الذين أرادوا المشاركة في هذه المناسبة الأليمة ولكننا ننقل لكم من الذي جاء بداية ومن الذي جاء متأخرا يقال في المثل أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي ومطار N'Djamena مليء بالطائرات للوفود القادمة من مختلف أرجاء المعمورة ومن أصدقاء الراحل وأقاربه وزويه والمشهد فعلا أليم وحزين جدا فالأجواء لا يمكن وصفها
إلا لمن شاهد قبل ذلك مراسم تابينات أخرى، لأن المشهد كان عظيما والحضور مشرفا، والمئات والمئات من الإعلاميين والصحفيين وموفدي الإذاعات والتلفزيونات العالم والكاميرات لا نكاد أن نحصي مئات الكاميرات كلها مصوبة ومعدجة لالتقاط المشهد. ولكن أنا سرعان ما ننقل لكم ما يجري هنا في ساحة الأمة في حينها، وحتى هذه اللحظة لم يتم نقل جثمان فقيد الأمة التشادية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو إلى ساحة الأمة. وحسب البرنامج المعد ولما يصل الجثة إلى ميدان الأمة هناك مراسم خاصة خصصت لتشريف جثمان الراحل، وبعد ذلك سيتم نقل الجثمان إلى المسجد الكبير لجامع الملك فيصل، وهناك يصلى عليه صلاة لا سجود لها، وينقل إلى مسواه الأخير في président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française. Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement. Madame la Première Dame du Tchad. Excellences, Monsieur le Président des organisations régionales et sous-régionales. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales. Officiers généraux, officiers supérieurs, chers amis et compagnons du maréchal, chers membres de la famille biologique et politique du maréchal, mesdames et messieurs, distingués invités. La présente cérémonie d'adieu va se dérouler en trois grandes parties. La première partie sera consacrée aux hommages militaires et au dépôt des gerbes de fleurs sur la dépouille. La deuxième partie civile sera marquée par les témoignages des proches et des amis du maréchal et la prononciation de l'oraison funèbre mettant un terme à la partie civile. Nous sommes tous réunis ce matin émus pour rendre un dernier hommage au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Nous invitons à présent le commandant de troupes pour la partie militaire.
Thank you.
Et de transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armes, à l'occasion de la cérémonie funèbre du feu maréchal, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armes, je vous invite pour le dépôt des gerbes de fleurs au cercueil de la dépouille mortière. À vos ordres, Excellence.
Oui, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, on était à la place de la nation où la cérémonie des obsèques du maréchal.